نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc, on commence le cours 2 dans Al-Usul Al-Thalata avec le charh du Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah. Et on arrive au point où le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dit « I'lam rahimakallah, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu thalathi masail, ou thalathu hadhihi al-masail, wa l'amalu bihinna. » نعم، الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. Donc le Cheikh rahimahullah il dit, sache que Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour chaque musulman et musulmane de savoir trois choses, ou de connaître trois questions, trois points. La première, et de les appliquer. La première chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a donné notre subsistance, mais il ne nous a pas abandonnés sans aucune obligation à suivre. Il ne nous a pas créés juste comme ça pour rien, laisser sans rien faire, sans obligation, sans interdiction à s'écarter, et sans obligation à respecter, et sans des choses qu'il nous a interdites dont on doit s'en écarter. Donc il ne nous a pas laissés comme ça sans responsabilité, il nous a chargé de certaines obligations, il nous a interdit certaines choses. Maintenant, le chef il donne deux points à ce sujet-là. Le premier point, c'est au sujet de ces trois questions-là. Il dit « هذه المسائل الثلاث من أهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد وحقوقه. » Ces trois questions-là qui sont obligatoires pour chaque musulman et musulmane de connaître, eh bien, le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz dit que ce sont trois questions qui font partie des trois points les plus importants qui ont rapport avec le Tawhid et les droits du Tawhid. Okay? Et le deuxième commentaire qu'il fait dans ce qu'on a lu, c'est à propos du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, le premier point, c'est qu'il nous a créés, il nous a donné notre subsistance et il ne nous a pas laissés comme ça sans aucune responsabilité. Le Cheikh il explique ça, il dit Allah subhanahu wa ta'ala خلق الخلق ليعبدوه فلم يخلقهم هملا ولا سدا ولا عبثا ولكنه خلقهم لأمر عظيم ولحكمة عظيمة فيها سعادتهم وفيها نجاتهم، وهي أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Le Cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création pour que la création l'adore. Et il ne les a pas donc créés pour rien, ou en vain, ou pour passer le temps, yani, des futilités. Il les a créés dans un but, et pour une raison très grande, et pour une sagesse très grande, dans laquelle il y a leur bonheur, hein, et il y a également dedans leur salut. Et ce but-là, c'est pour qu'on l'adore lui seul et qu'on ne lui donne aucun partenaire, aucun associé. Et il mentionne le verset dans Surat al-Dariyat, le verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. »« وَهَذِهِ الْعِبَادَةِ أَمْرَهُمُ اللَّهِ بِهَا
في قوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Allah, cette adoration-là, il leur a ordonné, hein, il a ordonné à la création de l'adorer, comme dans le verset par exemple, « Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur », le verset 21 dans Surat al-Baqarah. « وَفِي قَوْلِهِ تَعَلَى وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ » le verset 23 dans Surat al-Isra, « Et ton Seigneur t'a ordonné de n'adorer rien que lui, rien d'autre que lui ». Et وفي قوله واعبد الله ولا تشرك به شيئا également dans le verset 36 dans sourate An-Nisa et adorez Allah et n'associez rien avec lui. Et également dans le verset 2 dans sourate Az-Zumar فاعبد الله مخلصين له الدين et adorez Allah en lui voyant un culte exclusif ou pur, مخلصان, c'est-à-dire avec ikhlas, avec sincérité, avec pureté. Hein, en lui purifiant notre religion et notre adoration pour lui. Le verset 5, dans Surat al-Bayyina, Allah il dit, et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah seul en lui voyant une adoration pure et une religion pure pour lui. وفي آيات كثيرة أمرهم فيها بالعبادة وهي توحيده جل وعلا وتخصيصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة والصلاة والصوم وغير ذلك. إذا plusieurs versets Allah سبحانه وتعالى a ordonné aux êtres humains l'adoration. يعني c'est-à-dire quand on dit العبادة on parle de توحيد en fait. L'adoration, c'est le tawhid, d'accord? Quand Allah, il ordonne aux êtres humains de l'adorer, en réalité, il ordonne aux êtres humains de respecter et d'appliquer le tawhid. C'est ça la réalité, d'accord? Donc, c'est-à-dire de vouer à Allah subhanahu wa ta'ala un culte exclusif et de faire que notre adoration soit exclusivement pour lui. Et il donne des exemples d'adoration, comme le dua, l'invocation, la crainte, l'espoir, le fait de mettre en lui notre confiance, le fait de l'adorer avec amour, hein, et de l'adorer avec crainte également, et le fait de lui faire nos salawat, c'est-à-dire de prier pour lui faire la salat, le fait de faire le jeûne, tout ça c'est des formes d'adoration. Donc, toutes ces adorations-là doivent être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. فهو المستحق للعبادة للعبادة جل وعلا دون كل ما سواه. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui mérite cette adoration-là en dehors de toute autre chose. ويدخل في ذلك فعل الأوامر وترك النواهي. فأداء الأوامر التي أمرك الله بها ورسوله وترك النواهي التي نهاك الله عنها ورسوله كل هذا داخل في العبادة. Le Cheikh il dit également dans l'adoration il y a le fait de faire qu'est-ce que Allah t'a ordonné et de t'écarter de ce qu'il t'a interdit de faire et d'établir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'a ordonné de respecter ainsi que son messager et de t'écarter des interdictions des choses qu'il t'a interdites. Hein, que Allah t'a interdit ainsi que son messager. Donc tout ça, ça rentre dans l'adoration. وهذا هو الإسلام وهو الدين وهو الإيمان وهو الهدى. Et c'est ça l'islam, et c'est ça la religion, et c'est ça la foi, et c'est ça la guidance. Il dit فلا تصلي إلا لله ولا تركع إلا له ولا تذبح إلا له ولا تدعو إلا إياه ولا تتوكل إلا عليه إلى غير ذلك من إلى غير هذا من العبادات. Le Cheikh il dit donc, quand tu pries, tu ne pries que pour lui, tu fais la salat pour lui seulement. Quand tu fais le recours, tu le fais uniquement pour Allah. Quand tu sacrifies un animal, tu sacrifies uniquement pour lui. Quand tu fais un dua, tu fais un dua uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu mets ta confiance, tu mets uniquement ta confiance en lui. Hein? Et quand tu fais n'importe quelle autre adoration, c'est la même chose pour Allah seul. أما الاستعانة بحاضر قادر فيما يقدر عليه فليس بعبادة كما قال سبحانه في قصة موسى
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فإن موسى قادر على أن يغيثه. أما دعاء الميت ودعاء الغائب الذي لا يسمع كمالك لا يسمع كلامك، ودعاء الصنم أو الجن أو الأشجار ونحوها، فهذا شرك المشركين، وهو الشرك الأكبر الذي قال الله فيه إن الشرك لظلم عظيم. لشيخ الديدوك il donne des exemples d'adoration, on l'a vu, il a donné des exemples d'adoration. Ensuite il dit, en ce qui concerne al-isti'ana, le fait de chercher l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que si tu cherches l'aide d'une créature qui est présente et qui est capable de t'aider, ça c'est pas cher. Comme par exemple, tu as besoin d'aide dans la rue pour, par exemple, réparer quelque chose ou t'es en danger, quelque chose, t'as un danger quelconque, tu vois quelqu'un qui peut te venir en aide de l'autre côté de la rue, tu l'appelles pour qu'il vienne t'aider, le cheikh il dit ça c'est pas shirk. Ça c'est pas une adoration non plus. Parce que la personne est devant toi, puis elle peut te venir en aide. Comme par exemple, on voit dans l'histoire de Moussa alayhi salam, dans le verset 15, dans Surat al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala il dit que celui qui faisait partie de son groupe, l'a appelé pour qu'il lui vienne en aide contre son ennemi. Donc ça veut dire il l'a appelé à l'aide contre son ennemi. Il a appelé Moussa à l'aide contre son ennemi. Ça c'est pas de shirk, parce que Moussa était là, il l'entendait, il est capable de venir en aide à cet homme. Toutefois, quelqu'un peut pas appeler à l'aide Moïse aujourd'hui puisque Moussa alayhi salam il est mort dans sa tombe et il ne peut rien faire pour personne. Il peut rien faire même pour lui-même. Donc on n'a pas le droit de l'appeler au secours après sa mort, mais durant sa vie, il n'y a aucun problème de faire ça, et de chercher de l'appeler au secours s'il est présent et qu'il est là et qu'il est capable de te venir en aide. D'accord? Il faut distinguer entre les deux parce qu'il y a des gens qui appellent au shirk aujourd'hui, et parmi les exemples qu'ils donnent comme shubuhat, comme ambiguïté pour dire aux gens que le shirk est permis et que d'invoquer les morts c'est permis, ils utilisent cet exemple-là. Ils mentionnent ce verset-là où l'homme a appelé Moïse et ils disent, regardez, c'est pas cher de faire al-istirata, ou d'appeler au secours quelqu'un, parce que quelqu'un a appelé Moïse au secours. Oui, c'est vrai, à l'époque il était en vie, pas après sa mort, d'accord? Donc c'est ça le point. فَإِنَّ مُوسَى قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُغِيثَهُ. Moïse est capable de l'aider. Mais, toutefois, d'invoquer les morts, une personne morte, ou d'invoquer une chose qui est absente, ou une personne absente, ou qui ne peut pas entendre ta parole, comme par exemple quelqu'un qui est à des kilomètres, par exemple un soufi là qui est ici puis qui appelle son chef au Maroc, il ne peut pas l'entendre, il l'appelle au secours, comme ça c'est shirk, parce qu'il ne peut pas entendre ton doua. De même que quelqu'un qui appelle quelqu'un qui est absent, qui ne peut pas, tu ne peux pas le voir, donc comme par exemple quelqu'un qui prie à un ange, qui invoque un ange, ou bien qui invoque un djinn, tu ne peux pas le voir, tu n'as pas le droit de l'invoquer, d'accord? Non, quelqu'un qui fait un shirk, dans le sens qu'il invoque les morts, et il appelle soi-disant les awliya lorsqu'il a un besoin ou une détresse, et qui fait le tawaf autour de leur tombe, et qui les sacrifie des animaux pour eux, ça c'est une grande mécréance, une mécréance majeure, une mécréance akbar, d'accord? Toutefois, tu peux pas dire que c'est pas shirk, ça c'est shirk, personne ne peut nier ça. Et tu peux pas dire non plus que c'est un shirk mineur, parce que ça c'est shirk akbar, majeur. Tu offres à Allah quelque chose qui n'appartient, quelque chose qui ne peut être fait que pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'ibadah, l'adoration. Tu l'offres à autre que Allah. Donc c'est shirk. Et tu invoques autre que Allah lorsque tu es en besoin au lieu d'appeler Allah seul. Ça c'est shirk. Maintenant, la personne qui le fait, si elle ne le sait pas, tu dis qu'elle ne le sait pas, tu lui dis. Tu dis ça c'est. D'accord, mais ça, si la personne par exemple, elle appelle directement les awliya et leur demande à eux de l'aider ou des trucs de ce genre, ça c'est shirk akbar.
Et une fois que tu l'as dit à la personne, que tu lui as mentionné les preuves, que tu lui as expliqué, maintenant, si elle est vraiment sincère et qu'elle accepte la vérité, elle va dire « Ah, je ne savais pas », donc elle va revenir à la vérité, puis elle va cesser de le faire. Mais si tu vois que même après lui avoir dit, après lui avoir montré les preuves, la personne commence à argumenter, elle essaie de défendre le shirk, et de rejeter les preuves qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna à ce sujet-là, hein, elle ne peut plus dire par la suite qu'elle est ignorante. Parce qu'elle a reçu les explications et les clarifications. L'ignorance, c'est avant qu'elle reçoive la clarification à ce sujet-là. Là, elle est ignorante, peut-être qu'elle peut être excusée parce qu'elle ne savait pas. Mais du moment où tu lui as dit, que tu lui as expliqué, que tu lui as donné les preuves à ce sujet-là, puis qu'elle, non seulement elle ne veut pas arrêter de le faire, mais elle argumente, et elle veut justifier ce qu'elle fait, ça c'est sûr que cette personne-là, elle est dans le shirk akbar, majeur. Hein? Mais il y a une chose que tu dois comprendre aussi, comme dans ce que tu dis, c'est que si elle dit « je demande à Allah » et en plus « je demande au Awliya », puis ça va faire en sorte que ma prière va être acceptée plus rapidement ou des trucs comme ça, donc c'est à toi maintenant de lui montrer que ce qu'elle pense, qu'elle n'a aucune preuve premièrement pour justifier ça ou pour défendre ça, et de lui montrer les preuves que ça c'est faux, et que de demander l'intercession d'un wali, hein, ou de passer par un wali pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça c'est la religion des mushrikins, de Quraysh et des autres mushrikins, même à l'époque de Nuh, après Nuh, hein, qui adorait Wad, Wasua, Waya'uq, Wanafr, et les cinq hommes qui sont mentionnés dans Surat Nuh, que les gens ont pris comme des idoles après leur mort. Donc ça, c'est à la base, c'était comme ça que le shirk a commencé. Donc tu leur expliques tout ça. Et que quand tu veux quelque chose, tu le demandes à Allah seul. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, invoquez-moi et je vais vous répondre. Wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma Allahi ahada. Les mosquées, c'est pour Allah seul, alors n'invoquez pas personne d'autre avec Allah dedans. Hein. C'est Allah seul que vous devez invoquer. Pas d'invoquer le Sidi ou le Wali ou un tel ou un tel ou un tel. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait des awliya? Est-ce que les sahaba invoquaient des awliya? Est-ce que Ibrahim invoquait des awliya? Est-ce que Moussa invoquait des awliya? Est-ce que Isa alayhi salam invoquait des awliya? Est-ce qu'il nous a dit de faire ça? Est-ce qu'aucun un seul parmi tous les messagers d'Allah, est-ce qu'il y en a un seul qui a enseigné de faire ça? Aucun d'entre eux n'a enseigné de faire ça. Et donc, sur quoi ils se tiennent pour faire ces choses-là? Hein? C'est la religion des mouchriquins. C'est pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça, c'est à toi, toi qui as étudié les bases du tawhid et qui as étudié le sourd salafa, de leur clarifier ces choses-là. Et une fois que tu leur as clarifié ça, tu as établi contre eux la preuve. Et au jugement dernier, ils n'auront plus d'arguments. D'accord? Inch'Allah. Donc ça, c'est très important de pas les lâcher, ces gens-là. De continuer toujours à les appeler, à les appeler, à les appeler au tawhid, pour qu'ils abandonnent ce shirk. Hein? Ouais. C'est la religion des mouchriquins, c'est comme ça. Donc des fois, c'est comme par exemple les chrétiens, par exemple. Tu vas parler avec un chrétien, tu vas lui donner toutes les preuves pour lui montrer que ça c'est pas le Fils de Dieu, ou que c'est pas Dieu, et que t'as pas le droit de l'invoquer. Toutes les preuves claires, les arguments de la révélation, les arguments logiques et tout. Il veut continuer à le faire. Pourquoi? Parce qu'il est accroché à ça. Il est aveuglé par ça. C'est devenu sa passion. Il n'y a plus rien qui peut le faire se détourner de ça. Alors ça veut dire que c'est une personne qui a choisi le shirk et qui veut le shirk et qui veut suivre l'égarement et qui ne veut rien entendre de la vérité. Et qui dit, j'ai trouvé mes ancêtres en train de faire ça, puis c'est ça que je suis. C'est ça les mouchriquins qui disaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur récitait les versets du Coran qui montrent que c'est Allah seul qui mérite d'être adoré. Et il leur donnait les preuves, et il leur disait, regardez ce que vous adorez en dehors d'Allah. Hein?
et tout, ils ont donné plein d'arguments, et malgré tout, ils ne voulaient pas cesser ça. Ils étaient prêts même à combattre, à se battre, et à sacrifier leur vie pour ça. Et donc aujourd'hui, les gens qui appellent à ça, qui pratiquent ça dans les pays musulmans, c'est la même chose. Ils ont été aveuglés par le shirk. Et ils sont prêts à aller tout faire pour dire que oui, ça c'est bon. Alors qu'ils n'ont aucune preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه يعني il y a beaucoup de versets comme ça dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit regardez ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ou bien, amenez-moi une trace de science qui est restée, hein, qui justifie ou qui prouve que qu'est-ce qu'ils font c'est vrai. Hein. Il n'y a rien. Amenez-moi un verset qui dit que c'est permis de faire ça, ou un hadith qui dit que c'est permis de faire ça. Au contraire, tout ce qui est dans le Coran, tout ce qui est dans la Sunna est venu pour confirmer que tout ce que ces gens-là font est haram et que c'est shirk et que ça annule leurs actions. Donc c'est ça qu'on va expliquer là, Inch'Allah. C'est ça ce que le Cheikh il dit. Le fait que quelqu'un, par exemple, il veut invoquer une idole, ou un djinn, ou un arbre, ou un wali, ou toute autre chose. Et le Cheikh il dit que ça c'est le shirk des mushrikins. Wa huwa shirk al-akbar. Et ça c'est le shirk majeur. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet, dans Surat Luqman, le verset 13, inna shirka la zulmun adhim. Le shirk est cette la pire des injustices, la plus grande des injustices. وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 88 dans sourate Al-An'am, et si ils auraient fait le shirk, c'est-à-dire les prophètes de Dieu, parce que ça c'est venu ce verset-là à la suite d'une citation d'une série de prophètes. Hein, Allah il mentionne une série de prophètes en mentionnant leur nom, et juste à la fin de cette série-là il dit à la fin, et s'ils auraient fait le shirk, Allah aurait annulé toutes leurs actions. Donc ça veut dire que, malgré que c'est des prophètes, et qu'ils sont protégés contre ça, de faire ces erreurs, ou de faire le shirk, ils sont protégés, Allah subhanahu wa ta'ala protège les prophètes contre ces choses-là, et malgré tout, c'est juste une supposition que même s'ils l'avaient fait eux, même malgré leur degré et leur niveau, hein, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben Allah aurait rendu tout ce qu'ils ont fait sans aucune valeur. Ça serait, leur action deviendrait vaine. D'accord? Après, il dit, il mentionne un autre verset, قال سبحانه, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui dans l'adoration, qu'on lui associe quoi que ce soit dans l'adoration, mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. Tout autre péché que le shirk, Allah pardonne. Ou le coffre, il y a tout autre péché autre que le shirk ou le coffre, eh bien, il pardonne à qui il veut. Ça, c'est le verset 116, dans Surat Al-Nisa. Et il mentionne aussi, il dit, وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 65, dans Surat Al-Zumar, il a été révélé à toi ainsi qu'aux autres prophètes qui sont venus avant toi que si tu fais le shirk, on va rendre tes actions vaine. C'est-à-dire, tout ce que tu fais comme œuvre, comme bonne action, ça va être la poussière, ça va être zéro. Hein? Donc, tu vois quelqu'un, par exemple, qui dit, j'ai pas, une femme qui est stérile, elle peut pas avoir d'enfant. Elle dit, je vais aller voir le wali. Je vais aller voir le wali ou le sayyid à la tombe, puis je vais, peut-être qu'il peut m'aider à tomber enceinte. Donc, elle arrive devant la tombe, elle demande au wali ou au sayyid, elle fait un dua, elle dit, oh, Sayyid, en tout cas, fait que j'aille un enfant, des trucs comme ça. Après, elle se retourne chez elle, et, après une année, elle a un enfant. Donc là, elle retourne à la tombe de ce wali, soi-disant, puis là, elle va égorger un animal, en remerciement au wali, hein. Tout ça, c'est du shirk, akbar. Ça fait sortir quelqu'un de l'islam, parce que c'est quelque chose qui est en opposition fondamentale et totale avec le principe de la ilaha illallah, c'est-à-dire
La ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Puis toi, tu t'en vas, puis tu offres des actes d'adoration pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu as contredit même le sens fondamental de l'islam, la base principale de l'islam. Et déjà, même si le fait que ça arrive, Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il fait en sorte que, ou bien il a prédestiné que cette chose arrive en même temps que ce dua que la femme a fait. Ou bien il arrive juste après qu'elle a fait ce dua, ça c'est dans le qadar. Et des fois c'est pour tester justement, ou pour, disons que cette personne elle a aimé l'égarement, elle a fait le shirk, elle a commis le shirk, et donc, étant donné qu'elle s'est détournée d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'aide à s'égarer encore plus de la vérité en lui donnant cette chose-là, puis elle pense que c'est quelque chose de bien pour elle et que ça justifie et que ça confirme la véracité de ce qu'elle fait de shirk, du fait qu'elle a été, elle croit qu'elle a été exaucée, alors qu'en réalité, non, c'est une malédiction qui est tombée sur elle, du fait qu'elle s'est détournée d'Allah et donc Allah l'a laissée se détourner comme elle a choisi de se détourner elle-même. Hein? Et comme je disais une fois au frère à Montréal, c'est comme si le fait que même Cheikh Al-Fawzan il explique souvent ça, il dit le fait que ton dua a été exaucé lorsque par exemple un hindou ou un bouddhiste, n'importe qui adore, quelqu'un qui adore une roche ou un arbre, il demande, il fait un dua à l'arbre et que qu'est-ce qu'il a demandé à l'arbre, ça lui arrive. Est-ce que tu vas dire que ce qu'il a adoré c'est vrai parce qu'il l'a reçu en même temps? Non. Si quelqu'un a adoré la croix puis le lendemain il a eu ce qu'il a demandé, est-ce que ça veut dire que la croix est vraie? Non. Dans la même chose pour celui qui invoque le wali, s'il a invoqué le wali puis le lendemain il a eu ce qu'il a voulu, est-ce que ça veut dire que c'est halal de faire ce qu'il a fait? Non, c'est shirk. Même s'il l'a eu, ça ne veut pas dire que c'est permis. Et c'est comme si quelqu'un qui a joué à la loterie et qui a gagné, est-ce que ça veut dire que c'est halal de jouer à la loterie? Non. Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça pour tester la personne. Hein? Maintenant qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu as gagné? Avant, quand tu n'avais pas gagné la loterie, c'était en paix. Hein, tu dis, ben, tu veux gagner, mais t'es en paix. Maintenant que tu as gagné 1 million d'euros, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas dire, je déchire le billet, je le jette à la poubelle, c'est haram? Oui, tu dis, ah non, je peux pas faire ça. Qu'est-ce que je, si je prends pas l'argent, qu'est-ce qui va arriver? Hein? Donc, c'est une fitna pour toi. Ça devient une fitna pour toi. Et bien, la même chose pour celui qui a invoqué autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Ça a été exaucé. Maintenant, ça devient une fitna pour lui. Parce qu'il s'imagine que ça justifie ce qu'il a fait comme shirk. Et donc, il risque de s'engouffrer et de couler encore plus dans l'égarement du shirk à cause de ça. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. Donc, le shaykh, il dit « Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan, bal amarana bitawshidihi wa ta'atihi wa tarki ma'asiyatihi. » Le shaykh, il dit « Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé et nous a donné notre subsistance et il ne nous a pas laissé sans aucune... sans aucun but, en vain. Il nous a ordonné, premièrement, de l'unifier, d'établir son tawhid dans la croyance et dans l'adoration, et il nous a également ordonné de l'obéir et d'abandonner sa désobéissance, d'abandonner les péchés. Le cheikh, il dit, ensuite, les paroles de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il dit « بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ » Le Cheikh, il dit, et il nous a envoyé un messager, « Quiconque l'obéit rentre au paradis, quiconque les désobéit entre en enfer. » Et le Cheikh, à ce sujet-là, il a donné deux points, ou deux commentaires. Le premier commentaire, c'est quand il dit, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un messager. Il dit premièrement, أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا وَهُوَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِكُلِّ مَا تَقَدَّمُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ بِذَلِكَ لِنَسْتَقِيمَ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْهُدَى وَنَعْمَلْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْأَوَامِرِ وَنَنْتَهِي عَمَّا فِيهِ مِنَ النَّوَاهِي وَعَلَى يَدِ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ جاء ليعلم الناس دينهم فهو خاتم الأنبياء وإمامهم وأفضلهم. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un messager, et c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec tout ce qui a précédé comme explication,
Yani il nous a amené tout ce qu'on a expliqué auparavant dans l'explication jusqu'à maintenant, et plus encore. Et Allah lui a révélé le Coran, Allah lui a révélé le Coran, et l'inastatum ala ma fihi min al-huda, pour qu'on soit, disons, qu'on se mette sur la droiture par rapport à ce qui est dans cette révélation-là de guidance, tout ce qu'elle contient de guidance, qu'on se mette sur le droit chemin en se basant sur cette guidance-là, et pour qu'on applique ce qui est dedans, comme parmi les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour qu'on s'écarte de tout ce qu'il nous a interdit de suivre. Et à la yadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on fasse ça, disons, en se basant sur l'enseignement et la guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes et le dernier des messagers. Et il est venu pour enseigner la religion aux hommes. Et c'est le dernier des prophètes et le chef ou celui qui est à la tête des prophètes, et c'est le meilleur des prophètes. Et le deuxième point que le cheikh fait à ce sujet-là, c'est au sujet du fait que quiconque l'obéit rentre au paradis et quiconque lui désobéit rentre en enfer. Et il mentionne à ce sujet-là: فَمَنْ أَطَاعَ هَذَا الرَّسُولَ وَاسْتَقَامَ عَلَى دِينِهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ عَصَى هَذَا الرَّسُولَ وحاد عن دينه فله النار. Donc c'est ça, il répète l'affaire, il répète le point, c'est que quiconque obéit à ce messager-là et qui se met droit sur sa religion, il aura le paradis, et quiconque désobéit à ce messager et se détourne de sa religion, alors il aura l'enfer. D'accord? Et il dit: wa qala ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum, yani bi'amalikum, كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فهو مرسل عليه الصلاة والسلام فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Ça c'est la preuve de ce que le cheikh a mentionné. Le cheikh Mohamed Abou Wahab, il mentionne ce verset-là comme preuve. C'est le verset 15 et 16 dans Al-Muzammil, et ça dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, nous vous avons envoyé un messager comme témoin contre vous, comme on avait envoyé à Pharaon un messager, et Pharaon a désobéi au messager, alors nous l'avons pris d'une façon très dure, comme on sait qu'est-ce qui lui est arrivé, alors ça l'a pris d'une façon dure en le noyant dans cette dunya, et dans l'enfer il sera, dans l'au-delà il sera dans l'enfer. Et c'est ça ce que le cheikh a expliqué à ce sujet-là. Alors le cheikh Abdelaziz ibn Baz, il dit à ce sujet-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un messager, il nous a envoyé un messager comme témoin contre nous, c'est-à-dire comme témoin de nos actions. Comme témoin de nos actions. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a pris donc Pharaon d'une façon, c'est-à-dire dure, il l'a noyé dans cette dunya. Et là, il va être dans l'enfer. Ok, donc ça c'est à ce sujet-là. Maintenant, on a vu le premier point par rapport aux trois points qui sont obligatoires à chaque musulman et musulmane d'apprendre et d'appliquer. Maintenant, le deuxième point: الثانيه أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Le deuxième point, c'est que Allah n'agrée pas, il n'est pas satisfait qu'on lui associe quoi que ce soit dans l'adoration, ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Et la preuve de ça, c'est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les mosquées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien les mosquées sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors n'invoquer personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces mosquées-là. Et c'est le verset 18 dans Surat al-Jinn. À ce sujet, le cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, il mentionne un point. Il dit: هذه المسألة الثانية إنما هي تحقيق للمسألة الأولى وأن تعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كما أنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي خلقك وأعطاك النعم. الشيخ يقول: ce point-là, qui est le deuxième point,
est uniquement là pour confirmer le premier point qu'on a mentionné. Hein? Parce que il faut que tu saches que Allah n'accepte pas qu'on associe quoi que ce soit avec lui dans l'adoration. Comme on a dit qu'il est le créateur, qu'il est le pourvoyeur, qu'il est celui qui fait vivre et qui fait mourir, et que c'est lui qui t'a créé et qui t'a tout donné parmi les bontés de la vie. Donc, étant donné que tu as accepté ça et que tu as compris ça, et bien maintenant tu dois lui vouer un culte exclusif et ne pas associer rien et personne avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ton adoration. Parce que un implique l'autre. Hein? Tawhid al-Rububiyya implique Tawhid al-Uluhiyya. Hein? Le Tawhid dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le seul créateur, le seul maître, celui qui te donne ta subsistance. Celui qui te fait vivre et qui te fait mourir, et que c'est lui seul qui fait tout dans l'univers, qui crée tout et qui contrôle tout. Donc, si tu as été d'accord avec cette base-là, et que tu as accepté ce point fondamental-là, que tous les êtres humains reconnaissent en principe, excepté quelques rares créatures parmi les êtres humains qui le rejettent par arrogance et par fierté, hein, mais si tu as accepté ce point-là, mais logiquement, tu es obligé d'accepter que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Parce que sinon, tu te contredis. Te contredis parce que tu dis, il y a un créateur, c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui est maître de tout, puis après quand tu veux demander des choses, ou quand tu veux chercher le refuge, ou quand tu veux quelque chose dans la dunya, eh bien tu demandes à autre que lui, donc c'est une contradiction. Donc c'est ça le point que le chef essaie de faire ici, il dit, « فَهُوَ سُبْحَانَهُ لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ لَا نَبِيٌ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا غَيْرُهُمَا ولا غيرهما لأن العبادة حق لله وحده. Donc Allah n'accepte pas qu'on associe quoi que ce soit de la création avec lui dans l'adoration, ni un messager qui envoie, ni un prophète envoyé, ni un ange rapproché. Hein? Et pourquoi le cheikh il dit ni un prophète envoyé, ni un ange rapproché? On voit qu'il répète souvent cette chose-là. Parce que si on n'a pas le droit d'associer un ange rapproché ou un prophète envoyé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, ben ça veut dire que, étant donné que ça c'est les meilleurs parmi les créatures, les anges rapprochés et les prophètes envoyés c'est les meilleures créatures, donc si on n'a pas le droit d'associer ces créatures-là avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, mais encore moins une autre créature qui est moins que ceux-là, d'accord? Donc le chef il mentionne les meilleures créatures comme exemple, pour dire que tous ceux qui sont en dessous de ces créatures-là ne méritent pas eux aussi d'être associés avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les awliya et tous ceux les sayyid et les qubur et toutes ces choses-là sont en dessous des messagers. Ils sont en dessous des anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils ne méritent pas d'être associés avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, puisque même les prophètes et les anges ne méritent pas d'être associés avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc c'est pour réfuter ce point-là. الشيخ الذي وقال تعالى وقد ربك ألا تعبد إلا إياه وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين لأن الإشراك به هو أعظم الذنوب. الشيخ الذي الله سبحانه وتعالى الذي dans le verset 23 dans sourate al-Isra et ton Seigneur a ordonné que tu n'adores personne excepté lui, tu n'adores personne excepté lui, et il dit dans sourate al-Fatiha le verset 5 إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi seul que nous adorons et c'est en toi seul que nous cherchons de l'aide. Donc, c'est de rendre exclusif pour Allah seulement notre adoration. Hein? Et le cheikh dit, parce que le fait de faire le shirk, c'est le plus grand péché. Le plus grand péché. Le péché par excellence. Il n'y a pas de péché plus grave que le shirk. Et il n'y a pas de péché que Allah ne pardonnera pas, excepté le shirk. C'est-à-dire, quelqu'un peut arriver devant Allah au jugement dernier avec tous les péchés de l'univers, sauf le shirk. Si tu arrives avec le shirk, même si tu as respecté tout le reste, tu as fait tout le reste qu'Allah t'a ordonné de faire, et tu t'es écarté de tout le reste de ce qu'Allah t'a interdit de faire, sauf le shirk, tu vas en enfer pour l'éternité. Mais tu arrives devant Allah subhanahu wa ta'ala, hein, avec tous les péchés du monde, puis t'as pas fait le shirk, alors tu es encore sous la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu
subhanahu wa ta'ala, même s'il décide de te punir par sa justice, eh bien, t'as encore l'espoir de rentrer au paradis. Parce que le seul péché qu'Allah ne pardonne pas, c'est le kufr et le shirk. Hein? D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de plus grand péché que le shirk. Et le shirk dit ensuite, وَقَدْ جَاءَ فِي الْآيَاتِ وَقَدْ جَاءَ فِي الْآيَاتِ الْكَثِيرَةِ الْأَمْرُ بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهِ وَالنَّهْيُ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهِ فتجمع بين أمرين، فتؤمن بالله وهو الخالق الرازق المحيي المميت، وتؤمن بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة من ذبح وصلاة وصوم وغيره وغير ذلك من العبادات، كما قال سبحانه وإلهكم إله واحد، وقال سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا. الشيخ يلزي. Donc tous ces versets-là sont nombreux. Et ils ordonnent tous d'être sincères et de purifier notre adoration pour Allah lui seul, et nous interdit d'adorer quoi que ce soit en dehors de lui. Et donc il réunit entre les deux choses, il réunit entre le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est le créateur, le pourvoyeur, celui qui fait vivre et celui qui fait mourir, et le fait, il réunit également le fait que c'est lui, ce créateur-là, ce maître-là, qui mérite lui seul l'adoration, hein, que ce soit le fait de sacrifier, ou de faire la salat, ou de faire le jeûne, ou toute autre adoration. C'est pour Allah seul que ces adorations-là doivent être accomplies. Et il mentionne le verset 163 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah a dit « Wa ilahukum ilahun wahid » et votre divinité, ou votre, celui que vous adorez, est une divinité unique. Vous ne devez pas adorer rien d'autre que lui. Et il dit également, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Allah il dit dans le verset 18 dans Surat al-Jinn, alors n'invoquez personne avec Allah. N'invoquez personne avec Allah. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, il y a un Dieu unique. Puis après, ils invoquent avec Allah d'autres que Allah. Ils invoquent Allah, et avec Allah, ils invoquent d'autres aussi. Ça, c'est pas permis, ça, c'est shirk. Hein? Donc, il y en a qui disent, il y en a qui s'imaginent que les gens qui sont dans l'enfer, c'est uniquement ceux qui vont, par exemple, refuser d'adorer Allah, ou refuser d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Non, parce qu'il y en a qui refusent pas d'invoquer Allah. Ils invoquent Allah, ils adorent Allah. Sauf qu'en même temps qu'ils adorent Allah, ils invoquent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est shirk. Hein? Donc ça fait que tes actions sont vaines. Et donc le chef il explique ça. Ensuite le chef il dit al-thalitha anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuz lahu muwalatu man hada Allah wa rasulahu walau kana aqrab qareeb. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Le chef il mentionne par la suite le troisième point. Il dit que c'est le fait que celui qui a obéi au messager, qui a unifié Allah dans son adoration, il ne lui est pas permis de prendre pour allié et d'aimer et de se rapprocher de ceux qui se sont opposés à Allah et à son messager, même s'ils étaient le plus proche parmi leurs parents. D'accord? Même si c'était le plus près, le plus proche de leur parenté. Hein? Donc, quelqu'un qui s'est écarté d'Allah et de son messager, qui est tombé dans le coffre, dans le shirk, qui s'oppose à la vérité, tu n'as pas le droit de le prendre pour allié, dans le sens que tu n'as pas le droit de l'aimer et de te rapprocher de lui pour sa mécréance et pour son shirk. Hein? Même si c'est le plus proche de tes parents. Hein? Et il mentionne le verset 22 dans Surat Al-Mujadala. Et ce verset-là, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et tu ne trouveras pas parmi ceux qui croient en Allah, tu ne trouveras pas parmi ceux qui croient réellement en Allah et au jour dernier, des gens qui aiment
ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Même si, même si ces gens-là, qui s'opposent à Allah et à son messager, faisaient partie de leur père, ou faisaient partie de leur frère, de leur fils, ou faisaient partie de leur frère, ou faisaient partie de leur proche famille. Hein? Et ça, ces gens-là qui s'opposent, ces gens-là, yani, qui ont, par exemple, refusé d'aimer ces gens-là, qui s'opposent à Allah et son messager, ceux-là font partie de ceux pour qui Allah a prescrit la foi, il a écrit la foi dans leur cœur, et il leur a donné un support venant de lui. Et il les fera rentrer dans un paradis sous lequel coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Et Allah est satisfait d'eux, et eux sont satisfaits de lui, et ceux-là, ils font partie du groupe ou du parti d'Allah subhanahu wa ta'ala, et certes, le parti d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui aura le succès. Ça c'est le verset dans Surat al-Mujadala, et dans ce verset-là, à propos de tout ce qu'on a lu, à propos de ce troisième point, il y a une note du Cheikh Ibn Baz à ce sujet-là. Le Cheikh Ibn Baz, رحمه الله, il dit « وهذه هي المسألة الثالثة وهي من أهم الواجبات » أن يعلم كل مسلم كل مسلم ومسلمة أنه لا يجوز له أن يوالي المشركين ويحبهم فكل من أطاع الله ورسوله ووحد الله جل وعلا يلزمه أن يعادي الكفار ويبغضهم في الله ولا يجوز له موالاتهم ومحبتهم لقوله تعالى لا تجد قوما أي لا تجد يا محمد قوما أهل إيمان صادق يوادون من حاد الله ورسوله. Le Cheikh il dit donc que ce troisième point là c'est un parmi les parmi les plus importantes obligations parmi les choses qu'un musulman doit connaître, un homme ou une femme musulmane doit connaître, et il n'est pas permis, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis à un musulman ou à une musulmane de prendre pour allié, d'aimer et de se rapprocher des mouchriquines et de les aimer, hein, de leur offrir de l'affection et de l'amour. Le Cheikh dit, toute personne qui a obéi à Allah et à son messager et qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, alors dans ce cas-là, il doit s'opposer aux kuffars et il doit détester les kuffars en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas permis pour lui de les prendre pour alliés et de les aimer. Et quand on dit les mouchriquins, qu'on n'a pas le droit de les aimer, ou les kuffars, qu'on n'a pas le droit de les aimer, c'est toute personne qui pratique le shirk, ou qui associe avec Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe son origine, peu importe sa couleur, peu importe sa langue, peu importe sa nationalité, peu importe, c'est pas ça l'important. Comme quand on dit qu'on doit aimer les croyants, on doit aimer tous les croyants, peu importe son origine, peu importe sa couleur, peu importe sa langue, peu importe sa nationalité, peu importe, qu'est-ce qu'il peut être, non, l'important, il est mu'min, il est musulman, on doit l'aimer, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mushrik, peu importe son origine, sa couleur, sa langue, peu importe, toutes ces choses, on doit le détester, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est le plus proche de ta famille, même si c'est ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, tes proches, il y a tout ça, il n'y a pas de lien de parenté là-dedans. C'est pas une question de parenté ou de famille. D'accord? Et le Cheikh, il dit donc, il n'est pas permis de les aimer et de les prendre pour alliés, hein. Et, le Cheikh, il dit, et ça c'est basé sur le verset 22 dans Surat al-Mujadala qu'on a mentionné, que, la tajidu qawman. Allah, il dit, la tajidu qawman. Ça veut dire quoi? Le Cheikh il explique ça, il explique ça, il dit, ça veut dire, tu ne trouveras pas, ça n'existe pas, un peuple qui ont la foi, hein, et qui sont sincères, et qui aiment ceux qui s'opposent à Allah et son messager, ça, ça n'existe pas, ça c'est ce que le Cheikh il dit ça, en fait c'est ça ce que Allah dit, c'est-à-dire, si tu vois ça, sache que ça veut dire que la personne qui prétend avoir la foi puis qui fait le contraire, eh ben sa foi n'est pas sincère. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si tu trouves quelqu'un qui te dit, moi j'ai la foi, puis qui aime et qui supporte les koufars et les mouchriquines, hein,
Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils supportent les kuffar et les mouchriquines dans leur kuffar et dans leur shirk. Eh bien, ça veut dire qu'il n'est pas sincère dans ça. Hein, parce que Allah, il dit, ça n'existe pas, il n'y en a pas. Des gens qui croient en Allah, hein, et au jour dernier, qui aiment ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Non, non. Ok. On fait que par la cassie. Le frère, il me donne un point, il me rappelle d'un point très important, en fait. C'est que, il y a une distinction à faire ici. Hein, quand on dit de prendre pour allier les mouchriquins, c'est interdit, hein, eh ben, on veut dire quoi? De les aimer pour leur mécréance. Et de les prendre pour alliés pour leur mécréance, à cause de leur religion. Hein, tu les supportes pour ça, ça c'est quelque chose qui fait que tu sors de la foi. Hein, t'es pas un croyant si tu fais ça. Maintenant, supposons que tu as un père qui est idolâtre, mouchrik, ou un frère qui est mouchrik. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit que si tes parents sont des mouchriquins et qu'ils te demandent de faire le shirk, ne les obéis pas. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Mais après il dit, mais agis avec eux de la meilleure façon. Hein? Sois leur meilleur, le meilleur compagnon pour eux. Donc, il ne faut pas mélanger ici entre deux choses. Première chose, que tu les détestes pour Allah subhanahu wa ta'ala à cause de leur mécréance, mais que tu dois agir avec eux avec bonté. Si tu as cet amour qui est naturel envers tes parents, ça c'est pas shirk, c'est pas kouf, ça te fait pas sortir de l'islam. Parce que c'est quelque chose de naturel. Tu as un amour naturel pour tes parents, que Allah a mis en toi, c'est pas toi qui le contrôle, c'est même pas toi qui le décide. Et non seulement ça, mais cet amour qui est naturel là, en même temps, c'est à cause du bon comportement, de tous les efforts qu'ils ont fait pour toi, de tous les sacrifices qu'ils ont fait pour toi, et que toi tu leur remettes le bien qu'ils ont fait pour toi. Ça c'est pas cool d'avoir ça en soi, envers nos parents. Ça c'est correct, dans l'islam. Le problème viendrait si quelqu'un qui se dit musulman, et qui aime son père ou sa mère, à cause de leur mécréance. Et qui dit, oui, mon père, j'aime ta religion, j'aime le fait que tu es associé avec Allah, d'autres que Allah, hein, j'aime le fait que tu te prosternes devant une idole, ou j'aime le fait que tu adores Jésus, ou que tu crois que Marie c'est la mère de Dieu, ou que tu y fasses le shirk, ça, je te supporte là-dedans, je suis avec toi. Si quelqu'un a cet amour-là envers son père, il sort de l'islam. Ok? Mais si c'est l'amour naturel qu'un homme a envers son père, sa mère, ça, c'est pas quelque chose qui attaque sa foi. Ça n'a rien à voir avec ce qui détruit sa foi. Hein? Et la même chose, par exemple, un homme, l'islam nous permet d'épouser une femme juive ou chrétienne. Et c'est normal qu'entre un homme et une femme, il y ait cette affection qui est totalement naturelle. L'attirance. À cause de la femme, elle l'attire. Soit elle l'attire physiquement, ou elle l'attire aussi également par le fait que elle a un bon comportement envers lui, elle agit bien, elle est gentille, elle prépare bien à manger, elle a des bonnes qualités, hein, il l'aime pour ces choses-là, ça, il n'y a pas de problème, ça c'est naturel. Mais du moment où il commence à dire à sa femme, oh ma femme, je t'aime parce que tu te prosternes devant les idoles et que tu défends le shirk et des trucs de ce genre, et il est d'accord avec elle dans sa croyance religieuse et qu'il dit, oui, ta religion elle est bonne, elle est correcte. Je l'accepte, je la respecte, elle est bonne. D'accord. S'il dit ça et qu'il aime sa femme, de cette façon-là, il sort de l'islam. Mais s'il a cet amour qui est naturel envers sa femme, du fait qu'il est marié avec elle, puis c'est son épouse, et il est attiré par elle, et qu'elle lui plaît, et elle a des bonnes qualités, alors il aime ces qualités-là en elle, ça ne le fait pas sortir de l'islam. C'est un amour naturel. Hein? Et le fait, par exemple, donc, ça c'est des exemples que quelqu'un doit comprendre pour pas tomber dans des extrêmes à ce sujet-là, d'accord? Distinguer entre l'amour naturel et l'amour qui rentre dans la religion, et la foi et le tawhid et l'adoration. Ça, c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam. Il faut pas mélanger les deux. Donc, c'est ça ce que le verset explique. Et ça a été expliqué par de nombreux savants de l'islam. Et le cheikh, il dit donc,
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الشيخ المنسيان في ذرسلة ولكال الله سبحانه وتعالى دي dans le verset 51 dans سورة المائدة Oh vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés, ils sont alliés les uns des autres. Mais quiconque d'entre vous les prend pour alliés, alors il est un des leurs. Il est un des leurs, c'est-à-dire le mécréant comme eux. Et Allah SWT ne guide pas les peuples injustes. Encore là, c'est la même chose. Hein? Quiconque prend pour alliés les juifs et les chrétiens, hein, et qui les supporte dans leur croyance et dans leur religion, et qui dit que leur religion est bonne et correcte, et que leur croyance est valable, et qui les défend dans leur mécréance, celui-là, il est comme eux, il est mécréant comme eux. Toutefois, si quelqu'un, par exemple, il a des relations avec les juifs et les chrétiens, il achète, il vend avec eux, il agit bien avec eux, hein, il est correct avec eux dans les transactions de la dunya, ça, ça ne fait pas sortir de l'islam. Parce que c'est permis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il achetait des choses des juifs, il vendait des choses aux juifs, hein, ou bien il empruntait de l'argent à des juifs, il visitait ses voisins qui étaient des juifs, hein, il avait un bon comportement avec eux, s'ils font partie des mu'ahadoun, et ceux qui ont une entente de paix entre un pays musulman et un pays non musulman, on a des transactions avec eux, on a des interactions avec eux, ça c'est permis, il n'y a pas de problème, on agit bien avec eux, ça c'est pas interdit. Sauf que tu n'as pas le droit de les aimer, de les supporter dans leurs croyances et dans leur shirk. Si tu fais ça, tu es mécréant comme eux. Si tu dis oui, Jésus c'est le Fils de Dieu, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi là-dessus, un chrétien, t'es un mécréant quand même. Si tu dis à un juif, un chrétien, oui, votre religion elle est bonne, comme certains aujourd'hui, hein, qui disent que les juifs et les chrétiens sont nos frères, qu'ils sont des croyants, ça c'est un acte de mécréance de dire ça, on n'a pas le droit de dire ça, hein. Parce qu'Allah il a dit dans le Coran qu'ils sont kuffars, « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هو المسيح ابن مريم. Quiconque dit que Dieu est trois en un, ou qui dit que Jésus est fils de Dieu, ou qu'il est Dieu lui-même, ou qu'il est des trucs de ce genre, c'est un mécréant. Allah il dit ça dans le Coran, que c'est un mécréant. Et il dit également que celui qui refuse de croire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mécréant. Et il dit que celui qui refuse de croire au Coran, il est mécréant. Donc comment tu vas dire après que ces gens-là sont des croyants et qu'ils sont nos frères? Ça, c'est pas permis de dire ça. Et donc, t'as pas le droit d'être d'accord avec les juifs et les chrétiens dans leurs croyances, hein, et de les supporter dans leurs croyances, et de dire que tu défends leurs croyances. Ça, c'est kufr. Et si tu fais ça, tu sors de l'islam, et tu deviens un des leurs. Toutefois, si tu as des bonnes relations avec eux, des trucs comme ça, ça c'est pas quelque chose qui te fait sortir de l'islam. Toutefois, il y a des choses aussi qui ne sont pas kouf, mais qui sont haram, comme essayer de les imiter, de les ressembler dans ce qui est interdit. Ça, c'est une chose de haram. Si tu leur ressembles dans ce qui est shirk, dans ce qui est kouf, dans ce cas-là, tu sors de l'islam aussi. Si tu les ressembles dans l'adoration des tombes, si tu essaies de les imiter dans l'adoration des morts, si tu essaies de les imiter dans l'adoration des croix et des statues, hein, tu deviens comme eux dans leurs croyances, hein, comme les soufis par exemple, qui imitent les chrétiens dans plusieurs de leurs croyances. Certains soufis imitent les chrétiens dans leurs croyances, donc ceux-là, ils les suivent, ils sont comme eux, hein. Donc ça, c'est des petits détails à ce sujet-là pour pas tomber dans des amalgames et dans des ambiguïtés qui pourraient faire tomber certains dans des formes d'extrémisme. Et après il dit, « وقال عز وجل فقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فلا بد من البغضاء والعداوة لأعداء الله ومودة المؤمنين ومحبة المؤمنين ومحبتهم. Le chef il dit ici que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 4 dans Surat al-Mumtahana un verset dans lequel il dit « Et il y a certes un bon exemple à suivre pour vous, Abraham et ceux qui étaient avec eux,
et ceux qui étaient avec lui. Lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous nous désavons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions et entre vous et nous, il y a une haine qui est apparue et une animosité et une haine qui est apparue. C'est ça, al-adawa, une animosité, une haine, al-barba, abadal, qui va durer toujours jusqu'à ce, ou bien qui va durer jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Ça c'est al-wala al-bara, c'est-à-dire le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. C'est-à-dire tu aimes quelqu'un pour Allah et tu détestes quelqu'un pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Celui que Allah aime, tu l'aimes, celui que Allah aime pas, tu l'aimes pas. C'est clair, c'est aussi simple que ça. Et du moment que la personne est dans le shirk et dans le kufr, eh bien tu la détestes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si la personne décide de croire et accepte la foi, tu l'aimes. Parce que là elle a quitté la mécréance, elle est devenue croyante en Allah. Elle devient ton frère. Le juif, il devient musulman, il devient ton frère. Le chrétien, il devient musulman, il devient ton frère. L'athée, il devient musulman, il devient ton frère. L'hindou, il devient musulman, il devient ton frère. Le bouddhiste, il devient musulman, il devient ton frère. Avant ça, il était ton ennemi. Avant ça, c'était un mécréant, un ennemi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il devient croyant, il devient ton frère. Donc ça, c'est l'amour basé sur la foi. Et la haine basée sur la mécréance. Et regardez, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des problèmes personnels avec certaines personnes avant, quand ils étaient mécréants. Quand ils étaient mécréants, il y en a parmi ses ennemis, parmi les mouchriquins, qui ont fait du tort à des proches de sa famille, hein, et qui ont tué des sahaba. Et quand ils se sont convertis en islam, il n'a rien dit, il n'a rien fait. C'est-à-dire, il les a laissés sans se venger d'eux. Parce que c'était des gens qui sont devenus musulmans, tout ce qu'ils avaient fait comme péché auparavant était facile maintenant. C'est des frères. Hein? Donc ça c'est important de comprendre. Et donc c'est ça, il faut comprendre qu'on doit détester les ennemis d'Allah et s'opposer à eux. Et aimer les croyants. Et les avoir de l'affection pour eux et de l'amour pour eux. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, à ce point-là, puis on continuera après la salat de Maghrib, Inch'Allah, pour continuer l'explication au sujet de Al-Wala Wal-Bara, parce que c'est un point très important qui est très mal compris aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.